Spider-Man, c'est Yuri. Alors, Fisk est arrivé à Riker? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri! Je refuse rien! J'arrive tout de suite! On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer? Ah non, non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bakchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous casser les jambes. Bonjour chez vous. Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. Juste de récupérer une tour. C'était vous?
J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. C'est pas si fort que ça! J'arrive pas à toucher! Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez pas... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors, c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais. C'est bien elle. J'ai dit, dégage! Mais fiche-moi la paix! Boucle-la un peu. Ne me touche pas! À l'aide! Au secours! Laissez-la tranquille! Oh non! Spider-Man! Allez, Spider-Man! Mais la folle! C'est dégueu! Dégage d'ici, ou je la bute. Lâche-moi. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut.
plus son promontoire. L'inspecteur Spider observe sa destination. La deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Bien sûr que non. Le chef ne compromet pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que les crimes. Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Oh, wow! Un des vieux sacs à dos de l'époque du lycée? J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Le menu de notre... Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Ni homme, ni araignée, 100% flic. Ah. Ouvre le coffre ! Allez ! Hey, salut ! Ah ! Spider-Man ! Tue-le ! Il en arrive d'autres ? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer ? J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider, l'infatigable... Yuri ? Yuri, vous êtes là ? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité ? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger ? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause, et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Thank you.
C'est marrant, mon vertige a pas dit... Que serait New York sans ses trafiquants de drogue? Non, ça craint. Vous m'aviez dit que Paris était en vacances. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les plus cruels. T'es fauché. Arrêtez, l'araignée. Je sais pas comment il fait tout ça. Tu me le feras, crois-moi. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Allez, je file avant l'arrivée des flics.